Est-ce que Kylian Mbappé est agaçant? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien. Si c'est chez nous, on parle de foot. Si c'est chez nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fond de partie. Alors, les gars, est-ce que Kylian Mbappé est agaçant? Puisque chaque saison, on parle du feuilleton Kylian. Chaque saison, on parle du feuilleton Kylian. Est-ce que ça ne commence pas déjà à être agaçant? Pour moi, c'est non. Pour moi, ce n'est pas agaçant. Kylian Mbappé, les gars, il veut un avenir meilleur pour la suite de sa carrière, les gars. C'est inadmissible que vous pensez que lorsqu'il voit Haaland remporter la Champions League et peut-être le Ballon d'Or, vous pensez que ça plaît à Kylian, les gars? Vous pensez vraiment que ça plaît à Kylian? Lui aussi, il aimerait remporter une Ligue des Champions. Mais c'est justement parce que le projet sportif autour du PSG, ils ont un mauvais projet sportif qui a envie de se barrer. Le projet sportif du PSG n'est pas bon. On a les dirigeants qui refusent de tout donner aux entraîneurs. Quand je parle de tout donner, c'est au nouveau sportif. Ils ne veulent pas donner les clés du camion aux entraîneurs qui arrivent. Et pour moi, ce n'est pas normal. Assis Guardiola, c'est Guardiola qui gère quasiment tout le côté sportif, les gars. Les dirigeants de Manchester City ont laissé tout le côté sportif à Pep Guardiola. Et on a vu les résultats. On voit les résultats. Donc, Kylian Mbappé n'agace pas. Il veut juste avoir un avenir meilleur dans sa carrière. Et les dirigeants du PSG aussi ne veulent pas le laisser partir. Il veut se barrer. Il veut se barrer. Son rêve, c'est de jouer au Real. Si les dirigeants du PSG laissent Kylian aller au Real, il sera hyper content. Si on le laisse aller au Real, il sera hyper content. Donc moi, je pense que globalement, Kylian n'agace pas. Il veut juste avoir une meilleure carrière. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Kylian agace? Donne-moi ton avis et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!